Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition du podcast du Coin que nous vous présentons duo du Coin aujourd'hui, Grégory Guittard ainsi que moi, Sami Ben Yacoub. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérôme de Tichet et Simon Polerot, tous deux impliqués dans la communauté Ethereum. Donc, je vous laisse vous présenter si vous le voulez bien, Jérôme, Simon. Simon, je t'en prie. Très bien. Bonjour à tous. Donc, moi je suis... Donc Simon Polerot, je suis aujourd'hui, mon poste officiel c'est directeur général de la plateforme LGO Exchange, donc c'est une plateforme d'échange de crypto-actifs qui va être lancée en France dans le courant de l'année, et je suis à titre personnel effectivement très intéressé par la blockchain Ethereum. Je suis le fondateur d'un site internet qui s'appelle Ethereum France, qui a été fondé en 2016, et le cofondateur d'une association qui s'appelle Asset. Avec Jérôme, donc je suis aujourd'hui le vice-président. Donc l'Asset, c'est une association qui a pour but de promouvoir la technologie Ethereum, de la faire découvrir au plus grand nombre, et voilà, et donc de faire des contenus, des meet-ups, etc. autour de cette technologie particulière. Voilà. Bonjour à tous et merci de nous recevoir tous les deux pour cet épisode. Donc je vais reprendre ce que disait Simon. Effectivement, je suis l'actuel président de l'association Asset. Qui, en plus de ses activités d'organisation de meet-up, fait aussi de la promotion de la recherche. On a créé deux prix qui remercient la recherche en France. Donc il y a une conférence qui s'appelle Token Economics 2019, qui sera organisée par Paris Sciences Lettres et l'École Polytechnique notamment, et dans laquelle il y aura des papiers de recherche qui sont présentés là-bas, et l'Asset donne un prix pour le meilleur papier qui sera présenté là-bas. Donc, l'Asset a aussi des promotions, fait aussi la promotion de la recherche en général, et c'est toute blockchain bien sûr. Et à côté de ça, je travaille chez Consensys, qui est une organisation internationale basée en Suisse pour sa maison mère, et dont je suis actuellement l'un des fondateurs du bureau français. Et mon poste est de directeur Consensys Solutions. Et Consensys Solutions, c'est la partie de Consensys qui réalise des projets pour les entreprises et les institutions publiques. Et voilà, on a une cinquantaine d'employés et on est très content d'être là. Très bien. Donc en l'occurrence, ouais, des profils d'exception pour aborder l'objet de ce premier podcast, qu'est Ethereum, Grégory. Et donc on va commencer par vous demander de nous expliquer rapidement quel intérêt vous trouvez à ce protocole précis et pourquoi vous vous êtes investi dans Ethereum. Je laisse commencer. Moi, j'ai commencé comme beaucoup de gens dans cet écosystème par entendre parler de Bitcoin. J'envisageais de faire un doctorat en économie. Et puis, on m'a passé un papier qui me disait qu'on pouvait faire de la monnaie sans banque centrale. Du coup, je trouvais ça assez chouette comme idée. Et comme j'étais un peu geek et que j'aimais bien construire des PC, j'ai essayé d'en miner un petit peu avec mon PC de gaming. Et puis ensuite, essayer d'en miner un peu plus, acheter des cartes graphiques et tout. Et puis malheureusement, les FPGA sont arrivés, puis les ASICs, donc j'ai commencé à plus pouvoir miner avec mes cartes graphiques. Et je me suis intéressé à Ethereum parce que à l'origine c'était un protocole qui était résistant aux ASICs, donc résistant aux machines dédiées pour le mining. Donc on pouvait effectivement miner des Ethers assez facilement avec ces GPU, ce que j'avais. Et j'ai progressivement peu à peu commencé à creuser comment fonctionnait le protocole, essayer de faire plus de mining avec. Alors un petit niveau, hein, j'avais pas une opération dans des hangars, j'avais quelques PC chez moi. Mais c'était très intéressant parce que en fait, quand j'ai commencé à creuser Ethereum, j'ai rencontré une communauté qui était très accueillante, qui était absolument passionnée par ce que pouvait faire le protocole. Et rapidement, ça a été un peu je suis tombé dans le trou du lapin, quoi. J'ai juste adoré ce que j'ai découvert, les gens que j'ai découvert. J'ai rencontré des personnalités exceptionnelles et des amis. Et après, on a commencé à faire de plus en plus de trucs avec Simon et d'autres autour d'Ethereum. Moi, j'ai une approche un tout peu différente. Je ne faisais pas de mining au départ. Enfin, j'ai aussi commencé, bien sûr, par Bitcoin, comme tout le monde. Je l'ai entendu parler pour la première fois en 2011. Et puis, j'avais un peu miné en 2013 avec ma carte graphique, mais pas au stade de vouloir refaire une opération courante. Et puis j'avais un peu laissé ça de côté et je suis retombé dans la blockchain en général, on va dire, pour des raisons, à la base je voulais juste faire un investissement financier. Je voulais juste mettre un peu d'argent dans un actif très risqué. Et bon, comme je connaissais le Bitcoin, je me suis dit pourquoi pas mettre 100 euros, 1000 euros, j'en sais rien, dans le Bitcoin pour voir ce que ça donne.
Et c'est en m'inscrivant sur une plateforme d'échange, en l'occurrence Kraken, que j'ai vu qu'il existait d'autres crypto-monnaies, et notamment une crypto-monnaie qui s'appelait Ethereum. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai découvert, moi j'ai une formation d'avocat, donc j'étais très intéressé par toutes les problématiques juridiques qui pouvaient naître un peu d'utilisation des différentes crypto-monnaies, et Ethereum était celle qui avait le plus de problématiques intéressantes, on va dire, avec les smart contracts, la création de tokens, etc. Enfin, chaque expérimentation créée sur Ethereum avait un intérêt, en tout cas sur le plan juridique et conceptuel. Et donc, je me suis vraiment passionné pour ces idées de monnaie programmable petit à petit, jusqu'à, du coup, fonder un site dédié à Ethereum. Et là, ça a été un peu... à la base, c'était vraiment... sur un coup de tête, hein, j'avais pas trop réfléchi, et objectivement j'étais pas du tout expert Ethereum au moment où j'ai lancé ce site. Mais le fait d'avoir un site sur le sujet, quand on a un petit peu d'éthique de travail, fait qu'on le travaille. Et donc petit à petit, j'ai rencontré beaucoup de gens de la communauté, Bitcoin et Ethereum naissante, au meet-up Bitcoin qu'il y avait à Paris à l'époque, et puis sur les Reddit, etc. Voilà, j'ai rencontré Marc Zeller, Jérôme Détichet, enfin, le petit noyau dur de la communauté Ethereum à l'époque en France, et puis on a lancé l'asset, et comme ça tout a commencé. D'accord. Ouais. Donc on a cette notion, vous avez évoqué, de monnaie programmable, ouais. Et donc on a cette idée d'itération progressive, de roadmap initiale. Au tout départ, j'en avais entendu parler, c'était l'idée d'ordinateur mondial. On en est où aujourd'hui sur cette roadmap? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, on en est où sur cette roadmap? Eh bien, on a un ordinateur mondial, sauf qu'il est très très lent, et coûteux, et pas forcément ultra scalable à l'infini. Donc il y a un certain nombre de problématiques sur le réseau tel qu'il existe aujourd'hui, mais il fonctionne, donc on peut effectivement programmer des smart contracts avec en général des programmes qu'on appelle Solidity, des langages de programmation qu'on appelle Solidity, les déployer, les exécuter, et donc créer, il y a énormément d'inventivité sur le réseau Ethereum avec beaucoup de concepts, beaucoup de nouvelles applications qui sont créées et de plus en plus rapidement. Le dernier sujet à la mode, c'est la finance décentralisée, je ne sais pas si on va y revenir plus tard, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais par contre, c'est un réseau qui, effectivement, n'est pas entièrement développé aujourd'hui. On a encore beaucoup de marge d'amélioration. Et il y a une roadmap qui s'est stabilisée, donc qui a été très changeante ces dernières années, parce que ce sont des sujets de recherche, donc ce n'est pas forcément évident de donner des dates ou des sujets précis. Mais maintenant, on a une roadmap qui commence à se stabiliser autour de différents principes d'évolution du réseau qui sont coordonnés autour d'un nom qui s'appelle Ethereum 2.0. Et avec différentes étapes de déploiement. Alors, je ne sais pas si tu veux rentrer un peu dans le détail, sinon. Ouais. Bon, ok, si tu veux. Comme ça, on serait parti. Et donc, où on en est, on a effectivement un ordinateur décentralisé et on a une roadmap qui a été plusieurs fois réévaluée en termes de livraison. Et je pense qu'on peut regarder ce qui a été fait au niveau du protocole Ethereum et en prendre une. Et s'en servir comme un indicateur de quel point c'est difficile de faire des projets ambitieux comme ça, et en même temps être très, très content de là où on en est et là où on va pouvoir aller dans les prochains mois. Donc la spécification d'Ethereum 2.0, c'est-à-dire Ethereum avec ce qui était annoncé dans le white paper, c'est-à-dire une très grande scalabilité parce qu'il y a des shards, c'est-à-dire que tout ne se passe pas dans la même chaîne, mais tout est lié à la même chaîne initialement. Avec une évolution vers plus de proof of work mais du proof of stake, donc quelque chose qui est moins énergivore pour valider les blocs. Et aussi d'autres évolutions en termes de features, donc d'outils disponibles. Donc cette spécification est terminée depuis 9 mois et il y a actuellement 8 clients, donc 8 implémentations de cette spécification qui tournent en testnet et qui cherchent à la mettre en pratique. Aujourd'hui, les estimations de livraison de la fin du protocole Ethereum, enfin en tout cas d'une version stabilisée de ce qui a été annoncé dans le white paper, sont pour la fin 2019 ou le début 2020. Alors normalement, quand on fait ce genre de proposition, normalement l'avenir nous prouve le contraire. Mais jusqu'à présent, en fait, la spécification est faite et les implémentations sont là. Donc il y a en fait de belles perspectives sur le futur. Mais je crois que si on regarde l'ordinateur décentralisé qu'on a aujourd'hui, comme le dit très bien Simon, c'est que ça va pas très vite et c'est difficile de mettre beaucoup de choses dedans.
mais il fait déjà beaucoup de choses et il est très accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un smart contract sur Ethereum, c'est devenu facile. Je me souviens quand on était en 2016, quand on a fait notre premier hackathon avec l'asset, en 2 jours, on a fait DAO 1901, qui était utilisé, son association de la 1901, enfin, gérer son association de la 1901 grâce à des smart contracts. En 2 jours, on a fait peut-être 10% de ce qu'on voulait faire et on a vraiment galéré à écrire des smart contracts et à les intégrer, à faire une interface, etc. Pour le fun, j'ai essayé de le refaire à un hackathon à Ed Paris, dans mon coin pendant 2-3 heures, et en 2 heures, on avait déjà quelque chose qui tournait, qui implémentait beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a du tooling, parce qu'aujourd'hui, il y a la documentation, parce qu'aujourd'hui, les intégrateurs sont beaucoup plus matures. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est disponible pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on voit apparaître des hackathons comme Ed Paris, comme Ed Denver. Enfin, il y a une série de Ed quelque chose qui tourne un peu partout et qui met cette technologie entre toutes les mains. Et nous, à la SET, par exemple, on fait des meet-up, mon premier smart contract, 50 nuances de Hello World, et on peut faire un Hello World quel que soit son background. Et on a des gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui sont du juridique, qui sont de l'associatif, qui sont des développeurs, et qui viennent essayer d'écrire des smart contracts et d'interagir avec. Et bien, en fait, c'est possible. Et ben, la première couche de l'iceberg qu'on voit apparaître dans ce que permet cet ordinateur, c'est effectivement de pouvoir faire des jetons non fongibles, créer des objets à collectionner sur la blockchain, très bien, mais on peut aussi faire du decentralized finance, on peut faire de la finance sans banque, sans intermédiaire, et ça c'est absolument incroyable qu'on soit capable de faire ça aujourd'hui. D'avoir un stable token, donc un jeton qui est pegué au dollar, donc il y a une valeur fixe par rapport au dollar, on ne pensait pas qu'on serait capable de le faire aussi vite, et on ne pensait pas qu'on serait capable de le faire à cette ampleur. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir ce genre de jetons sur des papiers qui sont transférables et vérifiés dans la blockchain, donc sans intermédiaire. On est capable de proposer aux gens de prendre des positions longues ou courtes sur ce genre d'actifs qui sont rentrés dans la blockchain. On est capable aussi de créer des prêts avec ce genre d'application. Et ça, c'est disponible, ça marche aujourd'hui. Et ça représente déjà une capitalisation de marché qui est assez importante. Donc je pense centaines de millions de dollars. Ouais, je pense qu'on peut être très fiers du chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré tout ça, il y a quand même des contraintes qui sont rencontrées, des problématiques. Vous l'avez mentionné, notamment au niveau de la scalabilité. Il s'agissait de faire passer Ethereum du Proof of Work vers le Proof of Stake. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est plutôt garder le Proof of Work au first layer et en seconde couche, passer en... En preuve d'enjeu. Alors, proof of stake. Oui, plus ou moins, c'est à peu près ça. Mais avec un peu de subtilité dans le. En fait, le déploiement effectivement de Ethereum 2.0 s'envisage plus comme une transformation de la chaîne principale qui est en vigueur aujourd'hui, donc sur laquelle sont construites toutes les applications, mais pas réellement la création d'autres chaînes. Donc, on va avoir une création d'abord d'une ce qu'on va appeler une beacon chain, qui va être une chaîne d'accroche en fait, sur laquelle vont ensuite s'inscrire les différents shards, donc les sous-chaînes du réseau Ethereum, qui vont ensuite exécuter les différentes transactions. Et donc effectivement, cette beacon chain va être en proof of stake, mais elle va exister dans un premier temps parallèlement à Ethereum 1.0, on va dire, donc la version qui existe aujourd'hui. Mais avec en vision long terme que cette chaîne 1.0 en fait va devenir de moins en moins utilisée et petit à petit disparaître, devenir un peu une legacy chain, donc la chaîne historique, on va dire, qui va être gardée pour des raisons de vérification de transactions passées, etc., etc. Mais les nouveaux projets n'ont pas vocation à être déployés sur la chaîne historique. Donc on va avoir un déploiement vraiment très progressif qui a pour but de pas non plus forcer les gens au changement, mais si tout va bien, De provoquer le déploiement progressif des applications sur les nouvelles chaînes. Il y a plusieurs choses qui sont apparues quand on... Enfin, au début, on disait, bon, on va transitionner et ça va aller très bien. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que ce qu'on veut dans une blockchain, si on veut conserver une décentralisation, c'est très difficile de poursuivre tous les objectifs à la fois. Donc, ce qu'on aimerait bien dans une blockchain, c'est que les blocs soient très rapides et qu'une fois que vous avez fait votre transaction dans un bloc, elle y est pour de bon. Donc on appelle la finalité en termes de blockchain. Et ça, quand on fait du proof of work, c'est pas facile, parce que si on veut faire des blocs de plus en plus rapides, il y a de moins en moins de contraintes sur la difficulté à créer un bloc. De même, si on veut mettre beaucoup de transactions dans un bloc, il faut faire des blocs qui soient relativement gros, et si on fait des blocs relativement gros, c'est difficile de les transférer dans le réseau. Donc si on veut que les blocs dans le réseau se diffusent bien, il faut aussi permettre à ce que
les blocs soient de taille correcte, quoi. Pas trop grosse, pas trop petite. Et puis, ce qu'on aime bien dans une blockchain, c'est d'avoir de la disponibilité, c'est-à-dire de pouvoir requêter la chaîne pour avoir des informations ou trouver facilement des paires pour se connecter à la blockchain. Donc ça implique que ce soit pas trop compliqué de faire tourner un nœud, mais si on veut qu'il y ait beaucoup de nœuds, ça pose des problèmes sur la diffusion des blocs. Donc il y a des sweet spots à trouver un peu partout. Et en plus de ça, il y a un positionnement côté Ethereum qui est qu'on veut que la chaîne soit décentralisée. Et alors, décentralisée en termes de blockchain, c'est un terme qui est très difficile à définir. Donc ma définition personnelle, c'est qu'un protocole blockchain est décentralisé si, quand on veut devenir un validateur, c'est relativement peu cher et pas trop compliqué. Donc faire partie de la validation, c'est un processus qui doit être accessible. Et donc là-dedans, Proof of Work est quelque chose qui a aussi du mal à se positionner, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire du Proof of Work sur un protocole où il y a beaucoup de machines dédiées, ben, c'est difficile de peser dedans. De même, dans certains protocoles qui sont Proof of Stake, c'est difficile de peser en tant que staker, parce que parfois ça demande énormément d'argent pour devenir staker. Donc laisser un protocole ouvert, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et ces contraintes, on s'en est rendu compte au fur et à mesure que le protocole Ethereum était développé. Et aussi sur le fait que l'approche d'avoir une beacon chain permet justement de résoudre ce genre de problème en disant ben, on a cette chaîne qui sert d'ancrage, et cette chaîne, on va permettre un très grand nombre de devenir validateurs sur cette chaîne. Cette chaîne, elle ne va pas être forcément très lourde, mais il va y avoir des shards qui vont être plus ou moins lourdes. Donc on va laisser les gens se répartir sur ce genre de shards, et en conservant cette beacon chain de référence qui soit très accessible au plus grand nombre. Et en fait, c'est de la recherche qui a mis du temps à aboutir sur cette constatation, et qui en même temps a décidé de prendre en compte de nouvelles contraintes qui sont apparues. Donc ça nous ouvre sur plusieurs questions. Je vais attaquer un peu excessivement volontairement. Est-ce que vous considérez à l'heure actuelle que Ethereum est un protocole décentralisé ? Alors selon votre définition, on va en arriver à se dire que oui, mais si on aborde sur les deux points, que ce soit monter un nœud qui doit être accessible, participer à la validation, et au-delà du protocole même, les prises de décision vis-à-vis de ce protocole et leurs évolutions. Très bien, abordons les deux sujets de fond. Premier sujet, j'ai un nœud complet Ethereum chez moi sur un MacBook de 2016. Alors, 2012, pardon. Oui, ça c'est une discussion qu'on avait eue avec Jérôme. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le type de nœud, justement, et selon le type de nœud, quel type de nœud a un intérêt ou pas. Pour rappeler pour les auditeurs, la question souvent qui revient, c'est un nœud qu'on dit full node, téléchargé en mode fast, ou un nœud qu'on dit archival node. Est-ce qu'il y a une utilité à avoir un archival node tout court, et est-ce qu'on peut recomputer depuis un full node sur un archival? Oui. Voilà. Et bien, c'est une question extrêmement intéressante, et en plus on a de l'actualité très récente là-dessus. Tout à fait. Je vais faire des réponses simples, et puis après on va peut-être rentrer dans le détail. Donc, un full node, c'est un nœud, sur le vocabulaire Ethereum, c'est un nœud complet, donc il contient toutes les transactions et tous les états qu'on peut reconstituer, ainsi que le dernier état de la blockchain. Donc il y a tous les blocs, tout le contenu des blocs, et toutes les transactions donc, qui sont dans les blocs. Et donc on peut reconstituer l'intégralité de la blockchain à partir d'un full node. Le archival node, donc c'est en fait un nœud qui calcule l'intégralité des états d'Ethereum. Alors l'état d'Ethereum, peut-être on peut peut-être faire un rappel là-dessus. L'état d'Ethereum, c'est un fichier qui contient l'état de la blockchain, donc c'est-à-dire quelles variables, enfin en gros toutes les variables, leur contenu, toutes les soldes de tous les comptes à un état à un moment donné. En gros, c'est la requête, un fichier dans lequel on permet de requêter tout ce que contient la blockchain dans le dernier bloc. Donc c'est en fait le résultat de l'ensemble de l'historique précédent. Donc par exemple, vous allez avoir un solde X Ether dans un compte parce que 1000 blocs avant, on lui aura envoyé 1000 Ether. Et donc le dernier état va contenir cette dernière modification. Donc le full, c'est la date d'aujourd'hui, on a tel solde, et l'archival, c'est regarder dans les exemples il y a deux semaines, j'avais combien. Exactement. L'archival, il a l'état de chaque bloc, donc en fait le fichier complet de l'état correspondant à chaque modification de cet état. Donc toutes les 15 secondes, il y a un nouveau fichier d'état qui est créé, qui fait plusieurs gigaoctets en fait aujourd'hui. Et donc évidemment, contenir
l'historique de l'ensemble des états, ça nécessite une place énorme, puisque toutes les 15 secondes, il faut que vous créiez un fichier, un nouveau fichier d'état quasi complet. Alors, il y a quand même du... On regarde la modification, mais c'est quasi complet. Pas une configuration domestique. C'est pas du tout une configuration domestique, ouais. C'est une configuration de serveur lourd pour quelqu'un qui aurait besoin de requêter de façon très précise le contenu d'une variable ou d'un compte à tel moment précis. Donc c'est pour des usages très particuliers. C'est possible de le faire aujourd'hui, ça nécessite quand même un hardware très, très puissant, parce qu'il faut pouvoir tout simplement détenir l'ensemble des états de la blockchain dans un disque dur suffisamment rapide pour pouvoir enregistrer très rapidement le dernier état systématiquement. Mais en fait, comme on le voit, c'est un état qui peut être reconstruit à partir d'un full node, puisque comme le full node il contient tous les contenus des blocs, en requêtant le full node, on peut reconstruire les états de chaque bloc. Et en fait, ça a été démontré dans un article qui est sorti il y a 15 jours maintenant, ou la semaine dernière, d'un Français d'ailleurs, qui a fait l'expérience. Donc, c'est-à-dire que chez lui, il a déployé un full node, et ensuite, il a créé un réseau local sur lequel il a simplement lié deux nœuds, donc son full node et un nouveau nœud qu'il a commencé à synchroniser en archive node. Et le nœud a pu synchroniser toute la blockchain en archive node en se basant uniquement sur son full node à côté. Donc toutes les données qui étaient dans le full node ont été suffisantes pour le nouveau nœud afin de créer l'archive node du début. Ce qui est normal, puisqu'en fait, comme le full node possède tous les blocs, il suffit de requêter chaque bloc et ensuite de créer l'état du bloc, de le garder et de répéter l'opération à l'infini. Jusqu'à ce que en termes d'outils informatiques nécessaires pour réussir ce genre d'opération, on parle effectivement de quelque chose qui était loin d'être domestique. J'ai souvenir, il y a un bon mois, je crois que c'était BlockCypher qui avait publié pour dire qu'ils allaient chercher à recomputer et ensuite à déployer leur propre archival et qui n'y étaient pas arrivés. Aujourd'hui, il y a eu en plus des grandes améliorations dans la dernière version de Git, donc Git 1.9.0, je crois, qui permet de synchroniser un full node, un archive node, en à peu près une semaine, là où ça mettait plus d'un mois avant. Et par contre, effectivement, en termes de hardware, on est sur du serveur professionnel, mais c'est normal parce que c'est pour un usage professionnel. On est sur des serveurs professionnels, il faut à minima 4 Tera de SSD déjà, donc c'est pas à portée de toutes les bourses. Et puis un processeur quand même capable de supporter la charge, mais ça c'est moins. En fait, le bottleneck c'est vraiment le SSD. Enfin, il faut vraiment être capable d'écrire l'état, résumé, toutes les 15 secondes. Il faut que tous les blocs, on écrive un état qui aujourd'hui prend plusieurs gigaoctets, donc c'est, il faut beaucoup de débit par seconde. Je crois qu'il faut rentrer dans ce débat avec en tête l'architecture d'Ethereum. C'est-à-dire quand on parle de full node ou de light node, avec l'architecture de Bitcoin en tête, on dit, en fait, Bitcoin c'est du UTXO, donc votre solde en Bitcoin, vous regardez l'ensemble des blocs, l'ensemble des transactions qui pointent vers votre adresse, vous dites ça c'est mon solde en Bitcoin, donc vous dites je suis full node parce que j'ai tous les blocs, du coup je peux reconduire ça. Ethereum est un ordinateur, donc il faut vraiment penser, Ethereum est un ordinateur, donc c'est une machine avec des états. Et donc, il y a la blockchain, donc la chaîne des blocs, et en même temps, chaque bloc est une transition d'un état vers un autre. Donc si vous voulez regarder quel est le contenu de votre adresse, vous regardez l'état de la blockchain au dernier bloc, et vous savez quel est le contenu de votre adresse. Donc sur un full node, c'est-à-dire un nœud que vous... Si vous installez un client Ethereum et vous le lancez, par défaut, il va se synchroniser avec le réseau en important le dernier état qu'il va demander à ses pairs, et à partir du dernier état, il va dire bah, « je pars de cet état, je prends le nouveau bloc et je transitionne à l'état suivant. Je prends le nouveau bloc, je transitionne à l'état suivant. » Et tous les X états, je discarde ce que j'avais précédemment parce que j'ai juste vérifié que la transition entre chaque état était correcte. Donc quand on est un full node sur Ethereum, on a toute la liste des blocs, donc on est capable de reconstituer tous les états précédents, et on a les derniers états avec plus ou moins de passé, selon qu'on soit totalement full, archive, à un lieu d'archive, ou bien qu'on soit plus ou moins pruné, c'est-à-dire qu'on laisse 1000 états, 2000 états, 100 états, 400 états. Et par-dessus ça, vous avez aussi des light nodes qui sont similaires aux light nodes Bitcoin et qui s'intéressent juste à quelques adresses et qui requêtent régulièrement les états précédents. Et aujourd'hui, si on voulait regarder en termes de décentralisation, on est à quelques centaines de nœuds archives sur Ethereum, et qui sont principalement à l'usage de
de développeurs qui veulent s'intéresser à comment faire une hard fork à tel endroit ou à tel endroit, parce que ça sert à ça aussi, à vérifier ce genre de choses, ou bien de développeurs qui gèrent des exchanges, ou bien qui gèrent des explorateurs blockchain, et aussi des gens qui veulent juste conserver les archives parce que ça les intéresse de les avoir, quoi. Vous l'estimez à plusieurs centaines de, ouais, d'archivol à l'heure actuelle. Alors, comment je fais cette estimation? Oui, parce que j'ai souvenir de Vitalik qui expliquait qu'il connaissait personne ayant le temps de faire tourner ses big scary nodes. Exactement. En parlant de cela, justement. Alors, on a, chez Consensys, on a un client Ethereum qui s'appelle Pegasus. On a une équipe de développement qui s'appelle Pegasus, qui développe un client qui s'appelle Pantheon. Et par défaut, en fait, Pantheon est en archive. Donc en fait, quand on compte le nombre de nœuds Pantheon, qu'on ajoute le nombre de nœuds dont on sait qu'ils sont archive, parce qu'ils sont gérés par la fondation ou par des groupes de développeurs et par des exchanges et compagnies, on arrive à quelques centaines, effectivement, de nœuds archive. Alors donc c'est une estimation du nombre de nœuds archive. Mais il faut garder en tête que n'importe quel full node, y compris, donc toi tu as un MacBook 2012, moi j'ai un MacBook 2008 avec un SSD qui est juste derrière vous, qui lui fait tourner le full node aussi. Donc si un jour je dis, je vais brancher un nœud et puis partir de cet historique de blocs et reconstituer tout, je peux le faire aussi. Mais néanmoins, quand même, entre deux blocs, il y a une nouvelle calculation d'état, et le nouvel état est accepté par tout le monde, c'est-à-dire que le hash de cet état est aussi stocké dans le bloc. Donc, quand on recalcule l'état, l'état fait complètement consensus. Donc, il n'y a pas non plus de « oui, mais si on vous a filé un mauvais état, et puis vous avez cru qu'on vous avait filé un mauvais état, puis vous êtes fait avoir parce que vous n'étiez pas archive », non, en fait, ça ne fonctionne pas. Vous êtes full node, vous êtes vraiment full node. Archive, c'est juste un mode du full node. Donc de ce côté-là, Ethereum est relativement décentralisé. On a 8802 au snapshot de avril 2010. 10 avril 2019. Donc, comme on a un meet-up ce soir, j'ai pris les data, ça tombe bien. C'est-à-dire, grosso modo, le même nombre que de nœuds Bitcoin. Voilà, il y a un peu plus de presque 9000 nœuds sur Ethereum aujourd'hui. Et en termes de décentralisation, donc on sait aujourd'hui qu'il y a des ASICs sur Ethereum. On n'est pas au même saut en termes d'ordre de grandeur par rapport aux ASICs Bitcoin qui étaient arrivés. Donc on peut toujours miner des Ethers avec des GPU. C'est encore possible, mais les gains sont de l'ordre de x2, x3 par rapport aux x10, x100 qu'on observait sur d'autres blockchains. Et là, vous avez parlé d'ASIC, et j'ai relevé votre volonté de parler de finances décentralisées. On aimerait aussi venir sur la gouvernance et les conflits dans Ethereum. Comment ça se passe? Alors récemment, il y a eu un peu de mouvement autour de la question de ProcPow. ProcPow qui a pour but de rendre Ethereum ASIC résistant, si je... Ouais, c'est un changement dans la façon dont l'algorithme de mining se comporte, qui mettrait hors jeu une partie des ASICs existants. Et le statut actuel, là, qu'est-ce que vous en pensez de la gestion des conflits, de l'arrivée de cette proposition, les réactions qui... La gouvernance sur Ethereum, c'est une gouvernance de réseau décentralisé, donc c'est toujours un peu compliqué. Savoir qui prend la décision, comment, etc. C'est toute une affaire de signal, on parle de signaling. Et c'est parfois difficile à suivre et à comprendre quand on n'a pas accès à tous les canaux d'information. Et même pour un observateur averti, c'est pas toujours évident. Et on a d'ailleurs des personnes qui croient comprendre qu'une décision a été prise alors qu'elle ne l'est pas, enfin des choses comme ça. Mais pourquoi c'est aussi compliqué, et d'ailleurs pourquoi on veut que ça reste pour l'instant aussi compliqué, c'est pour maintenir cette décentralisation justement. C'est-à-dire que l'idée d'Ethereum principale, c'est, on appelle ça rough consensus. Et donc en gros, l'idée c'est de discuter des idées jusqu'à ce qu'on arrive à un état qui semble, selon tous les signaux disponibles, acceptable pour l'ensemble de la communauté. Qu'est-ce que veut dire l'ensemble de la communauté? Ça veut dire les développeurs du protocole, les développeurs d'applications, les stakeholders, donc les gens qui possèdent des Ethers, les mineurs, les opérateurs de nœuds, enfin tous les acteurs qui aujourd'hui, de près ou de loin, ont un intérêt au succès d'Ethereum. On cherche à entendre leur voix d'une façon ou d'une autre dans la gouvernance. Il y a beaucoup de différents outils de signaling qu'on peut utiliser. Il y a les outils communautaires, les sites internet, Reddit, etc. etc. Il y a ce qu'on appelle les coin votes. Donc ça, c'est des votes organisés sur la blockchain en loquant des Ethers. Donc plus vous avez d'Ethers, plus vous avez de poids. Donc ça, c'est plutôt pour les stakeholders. Vous avez des votes de mineurs. Vous pouvez signaler votre en tant que mineur dans votre pool de minage, par exemple,
avec un petit flag à mettre dans le client, est-ce que vous êtes pour ou contre telle proposition. Donc là, c'est en puissance de calcul aujourd'hui, parce qu'on est en proof of work, que ce soit Ethereum. Et puis vous avez des discussions publiques, en général, quasiment exclusivement publiques, qui se passent sur des forums plutôt dédiés aux développeurs du protocole ou des applications. Donc on a le forum at Research, on a le forum at Magicians, Ethereum Magicians, qui est une communauté qui est très impliquée dans le futur d'Ethereum. On a la communauté des Ethereum Cat Herders, qui sont des gens qui se sont fixés pour objectif justement d'aider à collecter les signaux et à coordonner la communauté autour d'un certain nombre de décisions. Et vous avez le All Core Dev Call, qui est un call weekly, donc toutes les semaines, où des gens qui se considèrent comme contributeurs au protocole core d'Ethereum discutent et réfléchissent. Donc on a tous les implémentateurs de clients, donc aujourd'hui les implémentateurs de Get, de Parity, etc., qui se réunissent pour prendre des décisions d'implémentation en fonction des signaux reçus par la communauté. Donc c'est une gouvernance avec, vous voyez, beaucoup de niveaux différents. In fine, effectivement, on a des core devs qui définissent finalement quelles propositions ils vont implémenter ou pas, mais ils tentent de le faire, en tout cas, ils ont tout intérêt à le faire, de telle façon à ce que la communauté l'accepte pour éviter les contentieux, les forks, etc. etc. Ben, pour résumer en quelques mots, alors tu veux peut-être ajouter... Sur le principe du All Core Dev Meeting, parce que quand on parle de gouvernance, en fait, je pense que... Votre question porte surtout sur comment est-ce qu'une modification se retrouve implémentée dans le protocole. Et donc ce process, c'est le process des EIP, Ethereum Improvement Proposal. Donc il y a un GitHub ouvert où les gens peuvent poster un EIP. Donc il y a un template de EIP. Donc il faut dire voilà, le nom de votre EIP, le numéro, pourquoi vous voulez ça, qu'est-ce que ça veut dire, justifier ça, qu'est-ce que ça implique. Quelqu'un qui serait un KIDAM ou même un anonyme et qui voudrait proposer quelque chose peut passer par ce process pour dire « J'aimerais bien proposer que Ethereum, on émette X nombre d'Ether par bloc ou qu'on change ça dans le protocole ou qu'on sauve mes fonds qui sont coincés dans un truc. » Donc, il faut expliquer ce genre de choses. Donc, il y a ce process d'EIP. Cet EIP, ensuite, une fois qu'il est posté, donne lieu à des discussions puisque ces EIP sont publics, ils sont sur un GitHub. Donc, il n'y a pas de filtre à la création de ces EIP. Et ensuite, il y a un état de finalisation de l'EIP qui correspond à un état de convergence, des discussions autour de l'EIP qui disent ben, « Ok, moi je suis contre parce que je trouve que c'est pas bien pour ça, moi je trouve que c'est bien parce que okay, ça c'est pas réaliste techniquement, ça c'est réaliste techniquement », donc il y a ce genre de discussion. Et une fois que l'EIP a atteint un niveau de finalisation, les gens qui ont proposé l'EIP sont invités au All Core Dev Meeting pour discuter de cet EIP avec les gens qui implémentent ces modifications dans le code. Et en fait, à chaque nouvelle hard fork d'Ethereum, donc maintenant on aime bien parler de mise à jour d'Ethereum à la place de hard fork, parce qu'on en fait tellement. Donc un des avantages d'Ethereum, c'est que pour la communauté blockchain, ça a complètement rendu non tabou le terme de hard fork. Donc on fait une hard fork, et à un moment, on prévoit cette modification dans une hard fork. Et donc à partir de là, tous les implémenteurs, tous les créateurs de clients intègrent cette EIP dans le client pour une date définie à l'avance où on va créer cette hard fork. Et à partir de là, ben, on passe à un autre niveau, qui est que maintenant que la date de hard fork est définie, donc la date de cette nouveauté est définie, ça va être aux mineurs d'accepter ou non cette hard fork, donc de miner le long de cette nouvelle implémentation d'Ethereum, et éventuellement aussi de le refuser, quoi. Jusqu'à présent, toutes les évolutions d'Ethereum ont été acceptées, à une assez écrasante majorité à chaque fois. Mais pour ça, il y a cet équilibre un peu difficile à sentir en tant que mineur, est-ce qu'on a envie de se faire restreindre le nombre d'Ether émis par bloc ou pas? Est-ce qu'on a envie aussi d'accepter cette évolution qui n'est pas forcément dans son intérêt? Ou est-ce qu'on va plutôt jouer le collectif en disant en fait, cette nouveauté, elle est aussi bonne pour les applications, donc ça rend aussi le protocole plus utilisable, donc dans ce cas, je vais peut-être récupérer plus de fees. Ou bien est-ce que je veux juste que Ethereum aille dans la bonne direction, et même si ça implique que je limite mes revenus, ça peut être intéressant aussi. Donc, en fait, le protocole, dans son évolution, laisse la porte complètement ouverte à toute modification, mais impose un process de revue technique qui est assez important. Et une fois que le process est passé dans les clients, il est ensuite laissé à l'acceptation du réseau. Et à l'avenir, en fait,
l'idée de passer en proof of stake, c'est justement de dire tout le monde dans le réseau peut voter pour l'évolution à venir. Toujours cette logique d'intérêt aligné quand même qui fait évoluer le protocole. Alors je vais quand même rebondir là-dessus. On avait notamment The Block Crypto qui avait sorti un article un peu coup de fusil sur cette notion de centralisation. D'ailleurs, ils parlaient, je crois, ouvertement de centralisation du protocole. Ils évoquaient le rôle d'Infura, qui, sur lequel on va revenir un petit peu parce que, pareil, ça a été notre, on va dire, point d'accroche initial. Eux, vous nous avez donné le nombre, je crois, de 9000 nœuds. Ouais. Voilà. D'après cet article-là, je crois qu'il est sorti en avril. Oui. Je ne saurais plus dire. Il comptait sur les 6 derniers mois plutôt une tendance baissière au nombre de nœuds, au sens vraiment général, je ne parle pas que des archivols. Et il citait Michael Vuller, cofondateur d'Infura, qui disait que donc, les DApps, les Decentralized Applications, reposaient toutes de facto sur les nœuds d'Infura, qui eux-mêmes, du fait, vous parliez Simon de matériel professionnel reposé sur les serveurs d'Amazon pour tourner. Est-ce que c'est une description qui vous semble juste ? Il y a trop de DApps qui reposent sur Infura. Alors, je pense que c'est une observation qui est juste, effectivement. Je pense qu'il y a effectivement trop d'applications décentralisées qui reposent sur Infura. Mais alors, d'un autre côté, beaucoup payent Infura aussi. Donc Infura est un service payant, en fait. Infura est un service de déploiement de nœuds résilients. Donc, en fait, vous vous connectez à Infura pour avoir accès à la blockchain Ethereum et vous avez un SLA. Donc, ils vous disent, nous, on vous garantit tant d'uptime, on garantit que vous allez pouvoir vous connecter à la blockchain tout le temps et qu'on va toujours être bien comme ça. On voit partout avec Opera aujourd'hui, tout ça. Qui... Absolument. Et vis-à-vis de cette notion justement de décentralisation dont vous avez parlé en détail plus avant, est-ce que ça ne vous semble pas un peu en contradiction avec cette image d'ordinateur mondial décentralisé qui en fin de compte se retrouve, verrait, plus ou moins, je vous vois hocher la tête Simon. Tout est dans le... Comment dire ? Là, Infura propose un accès à un réseau qui est décentralisé. C'est un accès centralisé à un réseau qui est décentralisé. La question, c'est à quel degré on dépend d'Infura pour accéder à ce réseau. Est-ce qu'on ne peut plus accéder à ce réseau si Infura disparaît ? Là, évidemment, ce serait une catastrophe. Mm-hmm. Est-ce qu'Infura a une possibilité de modifier le réseau entre le moment où il y accède et le moment où il fournit l'information, etc. etc. C'est surtout ça le problème. Parce qu'on a, je pense, un peu montré que le réseau lui-même sous-jacent est toujours aujourd'hui décentralisé, puisqu'il y a presque 9000 nœuds, etc. Et donc on a un point d'accès effectivement qui est important, sur lequel on a beaucoup de clients, beaucoup de DApps qui fonctionnent. Est-ce que c'est un problème ? Probablement, parce que... Mais je pense que le problème, c'est surtout que si Infura un jour tombe, toutes les applications vont arrêter de fonctionner jusqu'à ce qu'elles changent leur mode de fonctionnement pour se connecter plutôt à un autre nœud. Mmh. Maintenant, ça ne remet pas en cause la décentralisation du réseau sous-jacent. Ça remet en cause, finalement, la notion d'uptime de la blockchain, parce que l'intérêt de la blockchain, c'est d'être tout le temps accessible. Donc si vous passez par un service, certes professionnel, certes, etc., pour accéder à cette blockchain, vous rajoutez un risque qui est que ce service lui-même tombe en panne. Mais vous ne vous rajoutez pas un risque qui est de perdre le contact avec la blockchain, puisque ça, a priori, vous allez toujours pouvoir, en cas de problème, déployer vous-même un nœud et utiliser votre application comme vous le souhaitez. C'est une question à poser aux DApps. Hein. Est-ce qu'elles sont suffisamment dites pour être des DApps? Parce que, si on regarde Cypher Browser, par exemple, un explorateur blockchain qui est disponible sur téléphone, ils sont connectés par défaut sur Infura. Du coup, en fait, quand on interagit avec Cypher Browser, avec n'importe quelle DApp qui est sur Cypher Browser, on interagit avec Infura. Si Infura n'existe plus demain, heureusement, Cypher Browser a un backup qu'ils font tourner eux-mêmes. Mais ce backup est potentiellement moins capable d'encaisser la charge qu'Infura, donc ils préfèrent, comme beaucoup d'entreprises informatiques, dire on va prendre ce service provider pour spécifiquement ce truc-là. Maintenant, les DApp, à la grande époque des SEO, c'était tellement compliqué de participer à une SEO quand il y avait énormément de monde qui voulait participer au même truc que les gens trouvaient des solutions ad hoc. Et on a vu beaucoup plus de nœuds, effectivement, pendant la période où il y avait beaucoup d'SEO et beaucoup de,
beaucoup d'activités autour de CryptoKitties, par exemple. Donc c'est signe que quand les gens se trouvent coincés parce que c'est difficile d'accéder à ça, ils font tourner leur propre nœud et ils interagissent avec les tables directement sur l'ordinateur. On fait tourner son nœud et on se connecte, on se synchronise et puis on regarde le smart contract, on interagit directement avec, quoi. Donc c'est un service intéressant qui est fourni par Infura, et donc je trouve que c'est normal que les DApps prennent ce service, non pas à la légère, mais sautent dessus en disant bah, c'est intéressant de se plugger là-dessus, donc utilisons ça. Les mieux disantes d'entre elles permettent d'accéder à d'autres choses, et tant mieux. Il est toujours possible de se connecter à Ethereum par ses propres moyens, mais surtout il n'y a pas qu'Amazon, il y a aussi Azure. Je pense qu'il y a des... Je ne sais pas si Michael Vuller le confirmera, mais je pense que certains amis Infura tombent sur Azure. En tout cas, on a la chance de ne pas avoir une blockchain qui tourne uniquement sur les serveurs d'Amazon. On a une blockchain qui tourne sur une multitude d'ordinateurs, notamment celui de Simon, notamment le mien, et potentiellement, j'espère, le vôtre et celui de votre éditeur. Et donc... Il y en a 400 en France, je crois, le Ethereum. Donc, J'y reviens, vous vouliez parler de finances décentralisées, donc le défi, aujourd'hui on entend beaucoup parler de DAI, MakerDAO, est-ce que vous faisiez référence à ça, ou vous parliez aussi des DEX qui émergent à tous les coins On a la chance d'avoir un mot en plus qui est pareil en anglais qu'en français, décentraliser la finance, défi, et decentralized finance. Oui, non, bah, c'est ça, hein, c'est un peu toute cette myriade de cas d'usage qui est apparue petit à petit, qui en fait... Et pas nouvelle, hein. C'est-à-dire que Maker, c'est un des tout premiers projets sur Ethereum, c'était un des usages un peu évidents de la monnaie programmable, de créer de la finance, puisque la monnaie programmable, la finance c'est jamais que ça, c'est programmer de la valeur avec des paramètres particuliers. Donc un produit dérivé c'est un contrat programmable, un prêt c'est un contrat programmable, etc., etc. Donc transformer le use case Ethereum en un use case finance décentralisée, c'était un peu la première étape la plus évidente pour le protocole. Donc c'est pas du tout une surprise qu'aujourd'hui on voit une explosion de tous ces protocoles autour d'Ethereum. Vous êtes en train de dire qu'on ne réinvente, enfin, on n'invente pas forcément quelque chose. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui auraient tendance à dire que justement on réinvente un petit peu la roue? Je pense par exemple au MakerDAO, on a vu sur les 6 derniers mois vaguement une montée du frais de stabilité qui permet de garder le PEG avec le dollar qui est monté de, je crois qu'on était à 1% au départ, et là on est à 11,5% tout dernièrement. Est-ce qu'on révolutionne tant que ça la finance quand on en vient à devoir faire ça? La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? On révolutionne la finance parce qu'on la met dans toutes les mains. On permet à n'importe qui aujourd'hui de dire j'ai des ethers, je veux contracter un prêt. Je veux contracter un prêt contre des ethers, ou je veux avoir un taux d'intérêt pour mes ethers. Ça, aujourd'hui, si on a besoin d'une banque pour aller déposer son argent et recevoir des intérêts dessus, bah, en fait, on peut aussi le faire avec un protocole décentralisé qui le met dans toutes les mains. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'évoquer le sujet, mais on pourrait parler d'une nouvelle tendance qui a créé des security token offering, donc à lister ses parts d'entreprise directement dans la blockchain, et on a la chance en France d'avoir un cadre légal qui nous permet de le faire. Demain, et je veux vraiment dire demain, la semaine prochaine, dans un mois, quelqu'un va dire bah, vous avez vos parts sur la blockchain, très bien, bah, dans ce cas vous pouvez créer une option convertible. Être capable de dire je contracte un prêt et je vous permets de le convertir contre mes parts d'entreprise qui sont listées sur la blockchain directement. Et aujourd'hui, créer une convertible, c'est aller voir des avocats, c'est aller voir une banque pour vous accompagner, c'est aller voir un tel, c'est aller voir une telle, c'est prendre des précautions, etc. Avec la transparence qu'apporte la blockchain au fonctionnement de ces contrats et l'automatisation du fonctionnement de ces contrats, on met ce genre d'outils financiers dans toutes les mains. Donc on regarde ce qui a été fait avec des crises successives, avec des régulations successives, avec des freins à l'accès successifs qui sont justifiés parce que vous n'avez pas d'expérience pour être un bon financier, donc vous devez faire ça. Si vous voulez mettre sur deux choses, vous avez besoin d'être un certified lawyer, vous avez besoin d'avoir un certificat ou d'avoir cela. Parce que la façon dont fonctionne la finance implique énormément de choses qui impliquent énormément de contrôle. Et bien, grâce à la monnaie programmable, en fait, on rend transparent ce fonctionnement et on rend transparent l'utilisation de ça au plus grand nombre. Donc c'est vraiment mettre ça en toutes les mains, réinventer l'art ou non, mais peut-être l'aéroglisseur. Alors on va finir sur une dernière question et puis ensuite on va clôturer.
toujours sur cet exemple de MakerDAO, parce que ça nous permet d'illustrer, vous parlez de transparence liée à la blockchain. Est-ce que vous trouvez véritablement transparent un protocole dont on ne peut connaître les membres du board exécutif et qui, lors de call, on va dire, par les communautaires, ne détaille pas certaines choses parce que légalement on ne peut pas. Ça s'entend tout à fait, mais est-ce qu'en fin de compte, vous me disiez, voilà, c'est très obscur ce qui se passe au niveau bancaire, ça prend du temps, etc. Et là, on a ce protocole-là, est-ce que c'est tellement... Oui, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très différent, puisque vous avez justement le protocole sous-jacent qui permet de s'assurer que les choses s'exécutent bien telles qu'on les avait décidées. En fait, c'est la même idée que le Bitcoin. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a créé le Bitcoin, on ne sait pas qui contrôle le Bitcoin, mais on a un protocole open source qu'on suit et qu'on peut contrôler, dont on peut être sûr de la bonne utilisation. Sur MakerDAO, on ne connaît effectivement pas tous les stakeholders, on ne sait pas qui sont les détenteurs de tokens MKR. On ne sait pas exactement comment certaines, enfin, on ne connaît pas toutes les personnes qui donnent des idées ni comment elles le font, mais c'est d'ailleurs pareil pour les Ethereum pour mes proposants. Mais on a un smart contract qui est open source, qui est auditable, on a des processus qu'on peut reconstituer et on a finalement des votes transparent sur la blockchain en fonction, par les stakeholders en fonction des différentes... Je vais nuancer mon propos sur la banque. Je ne pense pas que c'est quelque chose d'obscur et on ne sait pas comment ça se passe. C'est que forcément, la difficulté à vérifier les différentes étapes d'un processus de financement font qu'il y a besoin d'avoir des tiers qui vérifient, qui attestent, qui font plusieurs étapes de vérification. Tandis que ce que permet la blockchain, c'est de créer ce processus de façon transparente et auto-exécutable. Et là-dessus, complètement, Maker vous dit, vous voulez mettre 100 Ether, vous allez récupérer X DAI. Ben, au moment où on le contracte une fois. Et si la semaine prochaine, les termes du contrat changent, ce sera un nouveau contrat, mais le vôtre aura déjà été émis. Donc en fait, on sait dans quoi on s'engage, et ça rend un service qui est assez intéressant, pouvoir prendre une position de spéculation, récupérer des DAI pour faire quelque chose, ou bien se dire, bah, en fait, moi, je veux encaisser des DAI parce que j'ai pas envie de supporter la volatilité, mais je sais que si je reçois un DAI, je peux le convertir contre un dollar. Et donc ça, ouais, si vous voulez, on peut vous introduire avec Maker, c'est intéressant de les avoir dans le podcast. Je sais pas s'il y a des Français dans leur équipe. Donc si on résume, on déplace la confiance institutionnelle vers la confiance protocolaire. Est-ce que véritablement beaucoup de monde sera capable d'auditer ? Est-ce que véritablement c'est une si belle ouverture ? Et je pense que ce sera ma dernière question et ensuite je laisserai Samy. C'est le rôle de la SEP de continuer à ouvrir ça au plus grand nombre. Ouais. Voilà. Après, c'est clair que c'est évident qu'il y a une forme de complexité inhérente au smart contract et d'autant plus sur un système aussi compliqué que MakerDAO. Maintenant, le caractère open source fait que n'importe qui peut auditer, y compris les personnes avec la compétence pour le comprendre. Et donc, si le protocole a un intérêt suffisant pour une communauté, il va y avoir un certain nombre de pairs d'yeux qui va se poser sur le protocole, regarder ce qui se passe, etc., et effectuer les vérifications nécessaires. C'est un peu l'idée de reprendre le contrôle, pas seulement sur les actifs, sur la monnaie, mais aussi sur la finance, et que permet, à mon avis, effectivement, les smart contracts. Eh bien, c'est sur ces derniers propos qu'on va pouvoir conclure cette première édition du Journal du Coin. Bien, merci Jérôme, merci Simon pour votre expertise et le temps consacré sur cette question. Je pense qu'on peut vous suivre sur la page d'Asset, dont je vais probablement laisser le lien dans la description. Grégoire et moi allons le faire. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode, crypto chargé comme d'habitude. Et nous vous remercions de nouveau pour votre expertise. C'est la seconde fois. Et à très bientôt. Merci à vous. Grégoire et moi. Voilà, c'était le premier podcast du Coin.